remettre l'installation 2 au niveau son. Ça y est, c'est fait. Et genre, on va à peine. L'École nationale supérieure Louis Lumière. Efface. Ok, C. Slash. X majuscule. LS. En partenariat avec la ferme du Buisson. CP. Espace. Xorg. J'avais mis. Tu l'avais fait. Point base, conf. C'est ça, base. Normalement, on devrait avoir ma force. Alors, t'es sur le CP, il a marché. Non, c'est bon. Attends, c'est bon. Descends. Par la fenêtre pilée. Bing. Ah, il est pas monté, il est pas monté. Pas du tout le disque. C'est sudo espace moon-a. Ok, en majuscule. Je vous achète une souris sans fil. Je vous promets, je vous l'achète. Dès demain matin, mon gars, est 12 euros, j'y vais. Sort.com. Lost in Transmission. La scénographie sonore, promotion 2010. Étienne, j'ai pas de gaffeur noir. Putain les gars, mais c'est un truc de fou, vous l'avez mangé quoi. Mais c'est toi qui l'as pris, tu c'est Lucas, je suis sûr que c'est un coup de Lucas encore. Non mais j'ai demandé à Lucas, il m'a dit ça fait 2 heures qu'il n'a pas vu le gaffeur noir. Il n'y en a plus. Guillaume, y'a rien. Le full screen il est tout bugué de gem. Mais il va falloir trouver une solution quand même pour la mettre, pour mettre sans full screen. Faut aller tout à gauche Guillaume, tout à gauche. C'est quoi la recherche là? C'est encore. Ouais. C'est encore pute? Et comment ça se fait que d'un seul coup j'ai vu le ministre de la Culture là, qui se balade? Il y a Guillaume? Victor? Ouais. Est-ce que dans la recherche tu peux taper concombre? Bon, ça gêne pas trop, c'est juste un décalage de 3-4 secondes. Hein. Depuis 2007, l'ENS Louis Lumière et la ferme du Buisson ont mis en place à destination des élèves de la section son une majeure scénographie sonore. Son objectif? L'acquisition de connaissances relatives à la diffusion sonore dans les espaces publics et à la technique de leur utilisation. C'est des plans stupides! Les gens qui font... La ferme du Buisson accueille les dispositifs artistiques issus de ses recherches conçu en collaboration avec les artistes ou directement par les étudiants. Le spectateur contrôle le motif de sa recherche, qu'il inscrit sur un ordinateur. Celui-ci lui répond en affichant un grand nombre d'images et de sons. Le spectateur est alors plongé au cœur d'une rafale d'informations. Ces informations qui s'affichent sur les murs sont les premiers résultats trouvés sur Internet relatifs au mot tapé. On Tu crois qu'Étienne est branché? Il est branché, s'il te plaît. Ouais, non, je vais redémarrer. Cannibale, ça marche bien. Parmi le flot de données diffusées, affichées, cachées, le spectateur pourra alternativement subir ou saisir l'information. Allez-y. Pardon.
de temps, on s'est dit voilà, notre référence, ça sera Blade Runner. On veut faire un truc dans le même esprit, quoi. Bon, on est quand même assez loin, pas non plus leurrer, mais c'est sympa, quoi. Et donc, cette robarde qui est magnifique, quoi. Qu'on a tout le temps, elle réagit, je l'adore. Elle est vivante, elle est. C'est un petit bijou. Et donc, en fait, là, c'est plus un endroit où on s'est dit qu'on allait mettre tout. C'est comme si c'était l'endroit de la transmission, quoi. Là où passent tous les câbles de l'information, le téléphone, la télé, la radio, tous les flux, tout passe par ici, quoi. Et donc, on voulait un truc aussi un peu ludique et tout, il y a de l'interaction. On voit, par exemple, la liste des recherches qui ont été tapées dans la salle 1. Là, c'est très intéressant de voir ce que les gens mettent dans les recherches. Ah, c'est ce que j'ai tapé dans la salle 1. Beaucoup d'imagination et puis voilà, une interaction avec un fauteuil où on se pose et ça décrypte l'image. Ah bah je dirais que quand je t'assois, ça débrouille l'image. Attends. Ah oui, c'est net. Et ça marche même avec le son, dis donc. Oh là là, mais oui. Ah mais c'est qu'en effet, c'est complètement fou. Ils ont dû mettre un capteur sous le fauteuil. Ça doit être ça leur truc. Il y a pas mal de petites choses comme ça, il y a un endroit où il y a un téléphone dans un coin où en fait ils diffusent des conversations téléphoniques entre des gens en fait. Et donc c'est comme si tu captais le câble téléphonique et que tu entendais en fait les gens parler entre eux, quoi. C'était très sympa à faire, à mettre en place et tout ça. Je suis juste là. Dans ce labyrinthe audiovisuel, le spectateur est guidé par des sons et des images. Il déambule dans des ambiances sonores et visuelles sur lesquelles il peut parfois interagir. Vous savez, les enfants, ce qu'on fait des éléphants, eh bien on les pourchasse avec des hélicoptères sur la savane, on leur tire dessus, on leur éclaire la gueule. Un moniteur renvoie notamment les images de la salle de recherche. Toutes les salles sont reliées entre elles, l'information circule et se perd. D'après une dialectique qui, le culte de phallus était donc de prière, se définit en termes d'être ou de ne pas être en phallus. Cette période correspond également à l'avènement du monothéisme, l'abandon du culte des déesses et le repli exclusif sur le culte d'un dieu de sexe masculin. Le jardin des Manguiers est une fiction autobiographique présentée sous forme d'installation. Elle combine des textes, des images et des sons pour plonger le spectateur dans un univers à la fois exotique et familier. Donc, vu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de masse de monde en un coup, il était compliqué de faire de l'interaction, donc on a décidé de partir sur une idée de flèche. De nouveau, l'histoire de flèche, hein, de la girouette, de la rose des vents qui indique un petit peu tous les lieux. Donc il y a une flèche qui tourne en permanence, qui va indiquer dans la direction de chacun des lieux de la ferme. Par exemple, à un moment donné, elle va vers le cinéma. Donc... Et puis il y a un son de cinéma qui apparaît et qui prend toute la halle. Et ainsi de suite, donc pour chacun des lieux, il y a un son correspondant qui vient envahir la halle quand la flèche l'a indiqué. Ici, nous avons travaillé sur le chemin du cinéma, donc toute la route qui mène au cinéma. Alors, nous avons développé le projet en fonction de l'espace. Donc, on avait cet auvent avec des piliers. Voilà. Et donc, l'idée était de travailler sur des réminiscences de l'histoire du cinéma, sur des flèches sonores qui puissent nous indiquer le chemin à prendre, la direction. Ça envoie un son. Je me perds. Je crois que nous y sommes. Bon diplôme. Voilà, du coup, la Fox, là, elle doit faire la résolution globale. On est trois en train de faire.
Cette année, la ferme du Buisson fut bien plus qu'un simple lieu d'échange. Elle fut le théâtre d'une vraie transmission. Une transmission d'homme à homme. À la journée de grève de demain. Gilles Bardin, à Sébastien Lopaya, à Gérard Pelé qui a voulu être particulièrement.